Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Transport Fever 2. Alors aujourd'hui on va faire de l'optimisation. Alors déjà ici là les camions, je viens de voir juste au moment de lancer hein. Ah ouais alors non ça c'est... Attends, bon, on peut quand même les changer en vrai. Mais ceux-là c'est pour prendre de la... C'est pas les briques ça, ça c'est la nourriture. Donc nourriture, on va changer, marchandises. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de nourriture, mais on va mettre un petit camion. On va mettre un petit camion comme ça. Bah, en vrai de vrai, du coup, on peut en mettre que deux, quoi. On en vend. Hop là. Et donc, cette ligne-là, parce que là, il y a beaucoup de briques. Les briques... Ah, mais j'avais mis que deux camions. Bah là, on va mettre... On va pas en mettre plus, mais on va mettre des gros camions. Prennent 30. Voilà, remplacer. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, on va s'occuper de l'optimisation des trains. On va pas pouvoir tout faire, je pense, parce que j'ai... Alors, j'ai laissé le jeu tourner. C'est pour ça qu'on est à... C'est pour ça qu'on est à 458 millions. Mais j'ai fait des petits tests avant. Ça va pas tenir longtemps. Je vous le dis, ça va être compliqué. Alors, Fontainebleau Le Havre, ça c'est des trains qui sont blindés. Blindés. Je vous le dis, ils sont blindés. Je vous ai dit qu'ils étaient blindés. Donc, on va en changer déjà deux. On va essayer de faire quand même des trucs un peu différents quoi. Donc, locomotive diesel. Par contre, les quais, faut pas oublier que c'est pas des longs quais. C'est des quais longueur sur 27 mètres. Faut faire du plus, pas plus de 140. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 67-400. Ah, mais oui, c'est pas RP. Alors, j'ai vu en vrai. Alors, oui, c'est un train pour la casse, mais... Mais j'ai vu en vrai. Donc, si, c'est RP. Boum. Alors, j'ai pas encore la livrée Normandie. Quand on l'aura, croyez-moi, vous allez la voir. Panaché, ouais. Alors par contre, il y a combien là de voitures? Une mission, 179 de capacité. Ouais, 179 de capacité, c'est pas trop mal. Hein. Ou alors je prends celle-là. Et celle-là, c'est 255 de capacité. Par contre, elle coûte combien? Elle coûte 21 millions, voilà, à l'unité. Ah oui, bah déjà, on va prendre des 6 caisses déjà. Ça coûte moins cher. Ça prend moins aussi, ça prend 217. Et celle-là. Attends, ça coûte 15 millions. Ah oui, mais en fait, non. Attends, on avait combien de capacité là? On avait 126. Bah, de toute façon, on va faire un test. Hein. En vrai, on va faire un test. VB2N, 6 caisses. De 163 mètres, ça passe pas. Non, bah, du coup, on va faire une compo nous-mêmes. On va faire une compo nous-mêmes, je pense. On va mettre ça. Ensuite, on va mettre ça. Médiocre, déjà. Houston, on a un problème. Là, si je mets, voilà. Là, on est à 139 mètres, c'est très bien. 179 de capacité. Bah, c'est la même capacité que l'autre. Mais en... Ah bah, maintenant, en fait, c'est bon. Si je prends une petite compo comme ça. Voilà, là, c'est bon. 139 mètres. Ouais, mais tant pis, hein. Tant pis pour la... Pour la vitesse. Il faut plus de capacité. Ok. Et les deux derniers là. J'ai envie de faire autre chose. Locomotive diesel. Alors, on va pas mettre une 72 000 parce que ça coûte cher. Mais on va remettre une 67 400 en tête.
Et par contre, derrière, passager, on va mettre les meilleures voitures ever. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux du tout. Il n'y a pas mieux. On ne sait pas faire mieux. On n'a jamais réussi à faire mieux. Est-ce qu'on a vraiment cherché à faire mieux? Je pense pas. Mais on nous présente ça. On nous présente les nouveaux trains comme étant mieux. Voilà. Ouais, sans... Ah, par contre, on perd en capacité. Après, j'ai augmenté en capacité là, donc... Ouais, parce que j'ai pas envie de tout faire comme pareil. On perd à peu près 10 en capacité, et là, on en gagne un peu plus, donc... Faire des cas, on rajoutera des trains, mais... Et donc là, normalement... Pouah, 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 c'est beau. Voilà. Bon, vous voyez, on est déjà descendu en dessous des 400 millions. Quand je vous dis que niveau thune, on va pas être à l'idée, on va pas être, c'est pas encore idéal. Je vous mentais pas quoi. Mais au moins cette ligne là, déjà, on va pouvoir prendre un peu plus de monde quoi. Et vrai de vrai, il faudra peut-être mettre une autre 67-400. Avec des VBZN. Parce que là, 179. On était à 122, on gagne quand même pas mal hein. Mais ça va pas répondre encore à la demande quoi. Parce que là quand je vois le monde qu'il y a dans les gares, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on va avoir un petit corail? Oui. Oh pardon. C'est peut-être un peu exagéré. Ou pas. Ah, c'est beau. Cette ligne là pareil, elle est saturée. Actuellement c'est une petite 0,30. Ah d'ailleurs si vous avez vu la vidéo, je peux le dire. Alors aujourd'hui elle est pas encore sortie, mais vous la verrez. Vous saurez que c'est le train viennent. Enfin ont beaucoup roulé sur le réseau Ouest de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, si vous avez vu ma vidéo sur sur la compagnie des chemins de fer de l'Ouest sur ma chaîne ferroviaire. Alors, par contre on va les remplacer malheureusement parce que c'est pas assez capacitaire. Ça prend que 54. Alors il y a les caravelles qui prennent 35 en une. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Ah, pour l'instant on n'a pas mieux en fait. Je suis en train de me dire que, enfin, pour l'instant, à part les caravelles, ou alors, log diesel, 66 000. Alors, 66 000 en bleu, comme ça. Avec passagers. Toum, toum. Alors, ah, faut aller dans une unité multiple. Alors, je sais pas par contre si j'aurai assez de longueur. 4 caisses. Ça nous fait une capacité de 120 contre 54. Pas mal. On va faire ça. Et voilà. Et c'est une compo plutôt sympathique. Encore. On va voir si ça remplit la demande. Normalement, oui, je pense que ça va. Ça devrait étaler un peu la. Et je laisse un peu passer aussi de temps en temps parce que il faut qu'on faut que l'argent rentre en même temps. Si on veut essayer de remplacer un maximum les trains. Et un petit, ouais, un petit tour en... Ah, on est du mauvais côté. Là, siffle pas. Ça veut pas. Oh, le, oh là là. J'avais jamais entendu que je sifflais. Oh là là. C'est dégueulasse. C'est pas du tout le bon sifflet. Et voilà, on rentre en gare. Bon, là, il y a du monde. Voilà, 120 personnes. C'est parti. Et par là, il n'y a pas du tout sifflé. Donc ça, c'est... comme ça, c'est fait.
Et donc voilà, on a chargé 120 personnes. Donc là, ça devrait répondre un peu plus à la demande. Il y a encore 122 personnes. Ah, ça va peut-être même l'écrouler en fait, la demande. À voir. À voir si ça remonte derrière. Là, il y a combien? Il y a 291. Ah, et là, en fait, ça va. Ouais, je sais pas. À voir. Là, on est bon. Donc, du coup, ici, c'est bon. On a fait. Faudra voir. Je pense qu'après, si on a encore de la thune, on ajoutera encore un train ici. Ah, il n'y a pas encore de train sur cette ville-là. Escalque. Mais attends, on va attendre un peu. Pareil. Si, là, il y a un train. Et là, ça doit pas être modifié. Alors là, c'est du train électrique. Donc, ça, c'est bon. Et là, sur celle-là, on doit avoir du train vapeur. Quelque part. Là, on a du diesel. Ok, ça, c'est bon. Voilà, là, on a du train vapeur. Donc, gestion du véhicule. Ah oui, puis c'est vrai que cette ligne-là, ouais, elle est un petit peu... Il y a un peu de train, quoi. 112. Ah ouais, ils sont pas tous remplis à fond. Ils sont pas tous très remplis, quoi. Là, lui, il a 100. Lui, il a 34, par exemple. Lui, on va le revendre. Ah, ça va faire un peu d'argent. Lui, il est pas plein non plus. Donc, on va le revendre. Ok. Et on va laisser ça. Surtout que eux, en fait, ils vont gagner un peu en capacité, je pense. Alors, remplacer. Par. Diesel. Bah, 67 400, hein, je pense que c'est le mieux pour l'instant. 72 000, c'est bien. Mais c'est cher. C'est super cher. Donc pour l'instant 67 400 avec des corails. On va être à peu près aux mêmes capacités en fait. 67 400 avec des corails, on va être à peu près à la même capacité. De capacité, voilà, remplacer. Ensuite, et ensuite ces trois là, on va remplacer par Lok Diesel. En vrai, pour l'instant, on gère hein, la thune, ça va. Puis le problème, c'est que c'est 1 million par 1 million 152, 1 million 700. Oh, c'est tentant! C'est tentant! Giga tentant. Et là, le problème, c'est qu'on va perdre en capacité. Attends, j'ai envie de me dire. Ouais, non, en fait, il faudrait que je remette une compo genre 67-400 avec des passages, avec des VBZ. C'est la seule compo qui peut nous amener. Qui peut nous apporter à peu près ce qu'on a besoin, quoi. Ou alors des. Attends, ouais, non, ça prend que 6. 120. Ah non, ça prend pas assez.
Alors ça, ce serait une compo RP hein, si je mettais ça. Je les mettais, mais... Si je mettais les Ryo, ce serait une compo RP, mais... Le problème, c'est que... Ah, ce serait pas assez capacitaire, quoi. Eh ben, on va mettre ça. Remplacer. Allez, il nous reste plus que 278 millions. Punaise. Ça descend vite, hein. Ça descend très vite. Mais il faut, parce que là, on avait beaucoup de vapeur encore. On avait quasiment que ça, hein. Regardez, là, encore de la vapeur. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je l'ai cliqué dessus. Voilà. Usine plaisir. Gestion des véhicules. Ok, là on a que des véhicules identiques. Donc on avait une capacité de 140. Est-ce qu'ils sont pleins? Non, tout le monde n'est pas plein. 140 140 140 et 140. Ah ouais, ici il y en avait quand même En vrai de vrai, on peut faire 2 37 400. Avec passager. C'est pas là que j'ai les coupons? Ah, c'est là. En rouge, ouais. Donc comme ça. Ça fait 120 de capacité. Remplacer. Il nous reste 252 000. Et là, on fait diesel. Ah, ça va être beaucoup de 67 400. Mais c'est le meilleur rapport puissance-prix, enfin voilà. Ouais, mais le problème des corails, j'adore, mais dans le jeu, ils sont pas assez capacitaires, quoi. Ils sont largement pas assez capacitaires. Oh la douille, 65 millions. Boum. On repasse sous les 100, sous les 500, sous les 200 000. On passe sous les 200 millions. Ouais. Là, ça fait mal. C'est douloureux, là, par contre. Mais on a des trains capacitaires. Et ça, c'est ce qu'il faut. Déjà, on va changer tout ce qui est voyageur, en fait. Parce que là, je vois qu'il y a du fret aussi, mais... On va essayer de changer déjà les voyageurs, les trains de voyageurs, et après on s'occupera du fret. Parce qu'à cette époque-là, on modernisait pour du mieux, quoi, à l'époque. À l'époque, ça on va le laisser parce que elle est sympa cette ligne. Enfin, on peut imaginer, tu vois, vu l'état de la voie, on peut imaginer que c'est un touristique, j'en sais rien. Enfin voilà, vu le matos qui roule, enfin, vu l'état, on peut garder du... Du petit train comme ça, ça c'est sympa, quoi. Puis en plus on voit que voilà, clairement il n'y a pas besoin de plus, quoi, sur cette ligne. Mais oui, à l'époque on mettait des nouveaux trains, c'était pour améliorer les choses, pour que les gens soient dans plus de confort, tu vois. Mais ça c'était avant. Avant on cherchait plus de confort, mais ça c'était avant. Aïe aïe aïe. Je vais encore avoir des commentaires. Ouais, tu retapes sur les régios poubelles, les régios de Zen. Ça sort tout seul, les régios poubelles, ça sort tout seul. Hein. Ça sort tout seul, les mêmes. J'ai même pas pensé à dire régios de Zen, tu vois. J'ai dit directement, c'est les régios poubelles qui sortent. Alors là, c'est de l'électrique, donc il n'y a rien. Et cette ligne-là, ça a été modifié. Donc, je crois qu'il n'y a plus de train de... Il n'y a plus de train de voyageurs vapeur, je crois.
Je pense qu'il n'y a plus de train de voyageurs vapeur. Ouais, non, tous les trains de voyageurs sont, doivent être passés en... Ah non, peut-être pas celui-là, attends. Celui-là était quoi, déjà? Il est où? Ah mais non, c'était ça. Ouais, on va peut-être le changer, ça aussi. Non. Pour l'instant, on va laisser comme ça, puis on changera, je pense, plus tard. De toute façon, pour l'instant, ouais, 58 sur 80. Il n'y a pas besoin de plus. Non, bah, franchement, on a l'air pas mal. On va voir si ça répond à la capacité parce que, ouais, là il y a 426 en attente. Ouais, à voir si ça va diminuer, j'espère un peu. Mais du coup, on va voir maintenant pour les frais. Donc, blé épinet, c'est déjà du diesel. Ça, c'est du... Ça, c'est de la vapeur. Donc, on va mettre... Non, ça, c'est bon. Déjà, niveau vitesse, je crois qu'on est bon. Ah non, alors, c'est pas ça que je voulais... Non, est-ce que je change tout? Ouais, si on peut peut-être mettre des wagons plus modernes. Marchandises. Alors ça prend 16. Ah, on est bien médiocre. Ah, attends. Peut-être pas ça, du coup. Peut-être pas ces wagons-là. Voir si on a mieux. Je vais voir si on a mieux. J'espère qu'on a mieux. Oh, les 26 000 TER200. J'aime. J'aime ce que je vois. Ça va être plutôt en bas normalement. Oh, 30! Hmm. 180. Alors, on peut mettre un petit peu plus. On va mettre ça. C'est pas mal ça. Voilà. Parfait. Alors du coup il est un tout petit peu plus long, mais c'est pas très grave. Donc là on a dit que c'était bon. Ça on a dit que c'était bon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça ça pareil c'est du... Ah ça il y en a qu'un en plus. Donc faut vraiment que ce soit capacitaire. Alors là bon, on va voir, il va charger là. Ok, et il y en a toujours beaucoup. Donc on peut augmenter largement. Remplacer. Locomotive diesel. On peut y mettre une 68 000. Et on va voir si ça passe pas une 68 000. On va carrément mettre la reine. La reine, on va mettre la reine devant. La locomotive qui respecte l'environnement. À 210 la ligne, attends que je dise pas de bêtises. Là il était à 152. Ça passe. Ouais, on va mettre 180. Boum. Ok, là c'est bon. Alors. Ah merde, j'étais dans... Alors, blé dit non. Blé, il faut changer. Donc, c'est une lock vapeur. Donc, il faut mettre une lock diesel. Ça prend combien de capacité? Ça prend 161. On va prendre ça. Là, je sais lesquels je veux mettre. J'ai des wagons de top pour ça.
Les milliers, voilà, ils sont trop beaux. On avait 161 de capacité, on va mettre 200 de capacité. Ce sera mieux. Ah, finalement, on arrive à avancer quand même, hein, parce qu'on est à... On est à 149 millions. Là, il y a 57 de capacité. Et il est plein, donc faut refaire le même. On va mettre des comme ça cette fois-ci. 200 de capacité, diesel. On va mettre une petite 68 000. Allez, petite 68 000. Ok. Blé épinesse, c'est bon. Blé Saint-Claude, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. 182. On change. Alors qu'on débloque des choses. Et d'ailleurs, on est en 93, hein. Est-ce que je vais vous refaire la vanne du « Il est né le divin enfant le 25 avril 94 » Non, 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 non. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre du tout. Je suis pas du tout comme ça. Vous me connaissez. Ouais, je vous entends dire « Ouais, justement, on te connaît. » Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et il ne reste plus que 109 millions hein, par contre. Hein. On est pas très bien maintenant. Alors, carburant. Je sais pas s'il prend le plein. Boum. Il va par où là? Il va chercher les carburants. Paris. Paris, il y a que 28. On va pouvoir diminuer du coup. La capacité. Donc diesel. On peut mettre presque une 67 000 je pense. Avec marchandises. On va mettre des SO. Ah, médiocre. Après il n'y a que 42 actuellement. On va peut-être quand même monter d'un cran. Sont 300. Ouais voilà, là c'est bien. Et 90 de capacité. Ah, ok. Alors oui, je sais, les 300 normalement. Je crois pas qu'elles aient roulé sur du... Normalement, je crois qu'elles n'ont pas roulé sur du... Alors, lui... Lui, il est plein. 84, il est plein. Elles n'ont pas roulé sur du... Sur du marchandise, mais bon... Des fois, dans TPF, faut savoir faire des petits accros pour pouvoir arriver à s'en sortir financièrement, parce que sinon... Sinon, c'est compliqué. Alors... 13, non. 24, oui. Oui, 24, c'est très bien. On va mettre 120 de capacité. Voilà. Fer épiné. Fer, on peut le changer aussi. 252, il est plein en plus, donc on peut y aller. Il faisait combien de mètres? Détail. 239 mètres. Et là, on est à 172 mètres.
Nickel. Par contre, là, c'est sûr. 67-400, ça passe pas. Là. On va même sortir la très grosse artillerie. Voilà. 72 075. Oh, par contre, là, c'est douloureux, là. 85 millions. Ça, c'est... Alors, ça, c'est bon. Du coup, faire épiner, on vient de le changer. Ça, c'est bon. 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 Alors, il y en a, là, je suis sûr qu'il y en a, ils voient des vieilles locks. Et vous vous dites, mais pourquoi tu les changes pas? C'est des vieilles locks. Bah oui, mais non. Non, non, je ne changerai pas. C'est mort. 24. Bon, on va mettre la même compo. On va mettre la même capacité. Mais avec une lock électrique. Avec une lock. Bah, attends, justement, il arrive au point de chargement, je crois. Il charge combien? Il charge le plein. Donc, on peut mettre une. Sont 3000 SNCF. Ah mais ça roule qu'à 90. Après ça sera toujours mieux que là, ça roule à 80 hein. Ouais allez, c'est ça, on va mettre ça. Et donc il faut pouvoir transporter. On va mettre des petits wagons comme ça. Ils sont bien ceux-là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Avec deux wagons. C'est le retour du wagon isolé. Oh, je viens de voir qu'on était à 32 minutes de vidéo. Mais on continue pour l'instant. Ça va être un peu plus long que d'habitude. 96. Gestion du... on va changer le véhicule. On va remettre la même capacité dans le doute. Vapeur. Non, pas vapeur. Diesel, pardon. Son 7000. Avec... marchandises. Faut prendre 96. 105 de capacité avec une 67 000. C'est parfait. Non mais ces wagons je les adore. Y a pas à chier, ces wagons je les adore. Là pareil, 96. Donc on va faire la même. Diesel 67 000. Y'a pas à chercher, hein, ces wagons, je les adore. Ils sont trop bien. Ça transporte presque, ça transporte beaucoup de choses. Et le problème, c'est que là, je viens de dire, ça transporte beaucoup de choses. Et dans ma tête, je vois les vannes que pourrait sortir un certain Rafi Raf. Alors, interdiction de sortir ces vannes dans le... ici, voilà. Que Rafi Raf aime bien faire des vannes sur une certaine période qui est pas drôle du tout. Sans 400. Là il faut du carburant. Il fallait deux, il faut 210. Donc 67 400. Marchandises. Faut 210. Donc faut mettre des gros wagons. Faut mettre des gros wagons. Dou. J'ai pas encore vraiment de gros wagons. Celle-là, mais celle-là, normalement, c'est du. Ça, normalement, censé être du gaz. Parce qu'il y a la bande orange. Mais on va mettre ça quand même, parce que c'est ultra capacitaire. Pesait combien de mètres cela? Pesait 235 mètres.
264 de capacité, c'est très bien. Par contre, on peut pas mettre une 64-400 devant, donc là... Là, la douille va être énorme. Je pense que ça va signer la fin de l'épisode, hein. Vraiment. Ce qu'on va faire là, ça va signer la fin de l'épisode, voilà. Voilà, 64 millions. Voilà, il ne reste plus que 29 millions. Parce que là... Voilà, ça, on vient de le changer. Ah, ça, pareil, faut refaire du 240. Donc, on n'a pas. Donc, bah voilà. Et bah, du coup, c'est la fin de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à faire à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien de Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Alors, je suis désolé parce que. Désolé pour les petits bruits Windows. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.